C'est un produit non prioritaire, surtout n'allez pas chez votre Lidl uniquement pour acheter ce produit. Bonjour tout le monde, présentation et test du décibelmètre de Parkside. Sur la chaîne numéro 1, vous avez la présentation de l'aspirateur eau et poussière sans fil de Parkside. La vidéo est sur le i en haut à droite. La plage de mesure du niveau de pression acoustique est de 30 jusqu'à 130 décibels. La précision de mesure est de plus ou moins 1 décibel. Vous avez la plage de fréquence et la fréquence de mesure. Le produit est garanti 3 ans. Il fonctionne avec des piles qui sont incluses. On y trouve la notice d'utilisation, 3 piles AAA et le sonomètre avec une petite bonnette. Vous avez le logement des 3 piles. Vous avez le bouton pour allumer. Vous appuyez 2 secondes pour éteindre. Vous avez deux modes de fonctionnement, fast et slow. En mode fast, il sera plus sensible pour la détection des pics sonores et des bruits qui se produisent rapidement. En mode slow, c'est pour surveiller une source sonore avec niveau acoustique constant ou établir une moyenne pour un niveau qui évolue rapidement. Vous avez la touche hold pour figer la mesure. Là, vous avez les mesures maximales et minimales. Le minimum qu'il entend actuellement, c'est 30,9 décibels. Je vais tester le sonomètre Parkside avec mon calibrateur. Donc ça, c'est un produit que j'avais acheté afin de contrôler mes sonomètres. Mon sonomètre Testo, je l'avais acheté il y a très longtemps et il s'était déréglé. Grâce à un calibrateur, j'avais pu le réajuster. Vous voyez, il y a une vis de calibration. Alors ce qui est dommage au niveau du sonomètre Parkside, mais bon, vu le prix, c'est presque normal, on ne peut pas recalibrer le produit. Et là, je vais faire un test à 94 décibels. Vous voyez, donc le Parkside m'indique pratiquement 94 décibels, ce qui est vraiment excellent. Vous voyez, 94 décibels. Là, je vais tester 114 décibels. 114 décibels. Le sonomètre est vraiment parfaitement calibré. Donc si ce genre de produit vous intéresse, je vous mets le lien en description de la vidéo, ça vaut aux alentours de 100 euros. Voilà pour la petite présentation et test du sonomètre de Parkside. Au niveau des avantages, le prix, la garantie de 3 ans, les mesures sont cohérentes, la précision est excellente. Il n'y a pas besoin de régler la plage de mesure. Pour mon testo, il fonctionne par plage. Vous voyez, là, c'est la plage 32-80, 50-100, 80-130. Et à chaque fois, il faut ajuster la plage correctement. Alors que là, il n'y a pas besoin, tout est automatique. Au niveau des points négatifs, il n'y a pas de possibilité de recalibrer le produit. Il n'y a pas de trou de fixation. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Si le sonomètre Parkside vous intéresse, surtout ne vous déplacez pas en magasin Lidl spécifiquement pour l'acheter. Vous devez aller dans votre magasin Lidl uniquement pour faire vos achats prioritaires. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.